Arrête, Bastien, tu arrêtes de te soigner la tête comme ça. Elles sont pas énervées rien qu'un peu, hein? Ça suffit, ça suffit. Corélia, la coup de genou d'en face à ton frère, là, fais attention. Ok, Bastien, ça suffit. Voilà comment se passe une journée avec le rhume. Mais eux autres, ils l'ont pas mal passé. Moi, je l'ai juste depuis hier. Donc, on sort pas. On se repose en théorie. En plus, c'est pluvieux dehors. Je sais même pas comment qu'on peut se reposer. Avec des minets comme ça. Tu me fais mal! Non, je te chatouille! Je te chatouille! Bon, ok, ok! Ça suffit, ça suffit! Vous êtes quelque chose! Ils sont excités, mais ils sont tellement mignons. Pour moi, c'est pas moi qui les ai sur le dos en ce moment. Quand ils sont de même avec moi, j'ai de la misère à gérer, ça m'épuise. Qu'est-ce que vous avez mangé pour être tannin comme ça? J'ai mangé des carottes. T'as mangé des carottes, toi? J'ai mangé du vomi. J'ai entendu du vomi, moi. Bastien, t'as-tu mordu ton frère? J'ai l'impression qu'il a mordu au bras droit. Il t'a mordu? Au bras droit. L'avant-bras, genre. T'as-tu mordu ton frère, Bastien? Quand il s'excite, là. Bastien, est-ce que t'as mordu Aldéric? Aldéric, est-ce que Bastien t'a mordu? Bon, Corélia et sa souplesse légendaire. Est-ce que tu voulais mordre les oreilles? Qui t'a mordu? Oui. Pas. Non. C'est pas gentil, mordre. Ok. T'es pris? C'est ça, Bastien, quand il est pris. Elle a des pantoufles pris. Fais tous encore, mon Aldérico. Corélia, elle coule plus du nez, mais lui, il coule encore un peu. C'est Bastien, il a été malade après les deux autres. Les deux premiers qui ont commencé à être malades, c'est Aldéric et Corélia. Parce qu'on est allé au parc un samedi, puis il y avait plein d'enfants qui toussaient.